Sortie médiatique, il y a directeur Edi Badia, tu as une sortie médiatique ratée. Hein? C'est une sortie médiatique ratée. Nandini. Parce que ce n'est pas une première. Ok. Rappelez-vous, tant où l'artiste est fallu pour qu'il y ait un cœur à Paris. Mm. Après, bah, clash, il y a Jaël, Maniqué, tout ça. Le même directeur a eu la décision de chasser même Grâce Témo. Exactement. Alors, bah, Kata Grâce, Kata. Déjà, on connaît les chiens à bois, la caravane passe. Wata a échoué dans le stade des martyrs. Okay. Qu'on se le dise. Mm-hmm. Quand c'est à Potopé, il y avait eu beaucoup de jaloux. Donc, soit Monique est réussi déjà à 80%, okay. Il peut quand même être en être fier. Okay. Non, Monique, mon agitation, mon émotion, là, et ça, là, il est en paix, en mouvement avec tout le monde. Mm-hmm. Mais en soi, il s'est débrouillé. Voilà. Malobana, il dit on a pouvoir. Okay. Et puis, il y a ça, il y a un peu apparaître. Au lieu de s'en aller, écrit, il y a l'équipe qui est lobby. Donc, tout ce qui est hypocrisie, c'est déjà trop tard. Ok. Batou, Bazana Fali, Bazoko, ça Fali Mingi. Ah. Le loso Fali Karian est chité. Tu as condamné Bino. Hein? Nous allons vous condamner. Parce que. Vérité. Ok. Parce que héritier, on l'aime bien. Mm-hmm. Tu vois, c'est très difficile pour un wingman, okay. Soit un Gaulois, mm-hmm. de venir insulter héritier dans la vie. Exactement. C'est toujours compliqué. Okay. Parce que c'est un fils maison. Mm-hmm. Il chante bien. Il est jeune, il a un orchestre, mm-hmm. il a une vision musicale. Voilà. Mais Kopé Sawa, héritier, charge leader Yawenge, alors que Ferré est encore là, mm-hmm. ce sont des mensonges. Okay. Tu connais bien Fiston Saï Saï, tu connais bien Denis Lessi. Mm-hmm. Ce sont des warriors. Okay. Olili, a un marango déjà. Tant que je crois qu'on a un concert, il y a ça qui moi. Moi, Capella, okay. Nengue Zala, rien à voir. Mm-hmm. Donc, et pas Ferré, tu vas remarquer que Ferré a la lumière, on est déjà. Okay. Ferré a déjà la lumière, on est déjà. Okay. Si on va boxer sous lumière, on est déjà. On peut sa lumière ici quand on lit les a. Donc, on y vient tout dans la salle. Mais tu verras ce que Ferré a invité, où est-ce qu'on a eu Arena. Mm-hmm. Où est-ce qu'on a pu sa Ferré lumière. Ok. Alors, on peut se montrer. Ok. Où est-ce qu'on a eu R, où est-ce qu'on a concentré. Ils attendent, ils ont saison, mm-hmm. le temps. Ok. Je comprends. Ok. Eh, mais oui, on peut faire lumière. Mm-hmm. Parce que faire ça déjà la lumière. Ok. Alors, bon début de semaine à tous et à chacun. Bienvenue encore une fois sur nos deux chaînes, Afrique Centrale Télévision, Équilibre Télévision. Heureuse joie pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui après un long moment où Tolekisi Penza est absence. Hein. Deux, trois jours, quatre jours, il y a absence. Pendant que Nadaki malade, il y a quand même un peu moins à Mikole Bélé. Mais Nzambé a sali vraiment au lot au Tarasu Nabino, Namoko Nalelo, plaisir et à trop. Mote Nabino Bourou, Nabiso partout à travers le monde entier. Kaka Nenge et Zala. Tourbet à ma solo actualité et l'on a Jérémy Lemba, les renards du désert. Nabi Ketan à Kota en Abanda, Kunabino, Botala Kaina, ba télévision, Topin à ba téléphone, Nabino, Zaraïa, Kosepela, Pambati, Bozora Penza, analyse de Zarapena équilibrée, analyse de pertinente en ce qui concerne la culture de notre pays. En tout cas, on va essayer de parler en paix. Naba question, Nyon, surtout dans Kosa, la in actualité, na Oetali Bongo, musique, Yambo, Kanabiso, héritier, Watana, Bazaki, la scène musicale le week-end dernier. Ferrego là avec You Arena, il s'est trouve aujourd'hui na 10e position na ba vente mondiale, il a un peu rythme baissé si on peut dire. On va aussi parler hein na ndenge batu ba meki ko sala pe ba analyse en ce qui concerne toujours actualité yango, il y a Eriti Watanabe mais aussi la sortie médiatique du directeur de marketing ya Fally Ipupa Edi Badiata. On en parle tout à l'heure. Merci à papa Alain Bilamba depuis Londres, big salutation à papa Kijamba qui mbote na boss Junior Ngimbi, le véritable mon à Londres, mon partenaire anonyme depuis quelque part, je te salue. Jérémy Lemba, n'a pas sur Bambo Tepe Boye, madame. Merci beaucoup, Naomi Yaba. Merci à tous ceux qui nous suivent de partout à travers le monde. Encore une fois, le plaisir est partagé. Okay. Merci pour l'invitation. Voilà, merci beaucoup et merci à nos deux caméramens, Eloy et Doule Diallo. Derrière ma caméra, n'a pas sur Bambo Tepe. Je rappelle aussi à tout le monde que je fêterai mon anniversaire, c'est vendredi, ou le 27 septembre. Oh. Mais Naomi, tu as un jumeau?
Je suis né le 28 septembre. Donc, je me prépare, d'ailleurs, l'occasion aussi est donnée. Et Bato Balingarabiso, leur soutien au sein d'Abiso Plaisir. Voilà. Oh, tu es né le 27 septembre? Ah, ok, on est ensemble. Voilà. Moi, c'est le 28. Ok. Ça fait plaisir. Voilà, c'était juste une annonce, justement, pour vous rappeler. Bah, cadeau, bah, soutien, bah, prière, ma bimé. Wester, on a ri à Kaka. Zolela, ri à Manigram. Et au Sunga et au Sala, bien vacances. Voilà, merci beaucoup, Jérémy Lemba, le plus aimé. Il y a ma communicateur, parce que ma journaliste. Tu voilà. Sais que Netsinga a une idée. Na Rokende, ah, on a Orphelina. Ok. C'est quoi encore le nom? Orphelina, et ça, on a. Côté à Kram. Na Mombele, ah, ouais. Ok. Donc j'irai là-bas. Na Zaïou, on a des biens à moi. Moi, je le fais discrètement. Ok. Et ça, recommandation divine. Nous avons reçu le 28 pour nous repartager les fils que moi, l'osso, moi, huile, ma pas sucre, na bana ou bazar, borphelin. Donc, tu as bazar de cœur, tu peux aussi contribuer. Voilà. Comme ça, tu as un zamba au pambo, la pambo est là, il y a un angaï. Exactement. Et ça se passe comme ça. Voilà. Et les babi. Et Babani, aimer, c'est lui qui s'intéresse aux pauvres, hein, car le jour de malheur, nous avons aussi qu'à été. Alors, Jérémy Lemba, voilà. On va parler actualité, mais toi, mais quand on peut être à moi, tourne à Oetaï Maramamboka, depuis samedi dernier, tout le monde a dit libération. Il y a des prisonniers d'Abisso, en tout cas, un bon nombre de prisonniers, plus de 1000 et quelques prisonniers ont été libérés par grâce présidentielle. Babi qui va libérer plus au bazar malade. On a habité par rapport à cette initiative, il y a ministre de la Justice d'Abisso. Comment tu. Quelles sont tes appréciations en fait? Vraiment, tu m'as beaucoup surpris. Merci pour la question. Je ne m'attendais pas à ça, mais je me suis préparé aussi pour le dire. Ok. L'isolo à libération va prisonnier Otomoni Constant Mutamba, l'actuel ministre de Justice à Sali. Okay. Et nous sommes très fiers de lui. Maman, nous sommes va prisonnier malade, l'okolo et pola. Exactement. Moussou na chaise roulante, d'autres n'ont pas béquille. Moussou na brouette. Moussou na brouette, Nzambe na lola. Donc, tu vas au pola vivant. Tu es tawana. Bah garder mon cas en prison makala. Est-ce que hôpital pour nos prisonniers ils allaient ou bien ils allaient rater? Mais il y a un centre de santé dans quatre prisons makala. Maman, est-ce que ambulance topé dans le bataille Corbia, ambulance il y a des prisonniers ils allaient rater? Moutabi me la pousse ou Yesu. Ah ensemble. T'es monté ma passe mais. Nathalie Batouba pour là la prison makala. Sugoyo. Avant d'arriver à Constant Mutamba, tous ces anciens ministres de la justice, occupés de la justice, voilà. Bando Sani. C'est ça. Eh, on dit que le Congo est la réalité. Hein. Ma casse. Batouba bomba bango na kati, plus de 1600 cas. Au talibé, moussou bakanga pour aller en bon à winner. Ah. Winner, kangisa moutou. J'ai hasard, j'ai permis tout ce que j'ai fait. D'autres, oh non, dans ce cas-là, vagabondage inutile, j'ai fait ma cala. J'ai fait le bébé, j'ai fait la situation. Je veux remercier quand même le président Fatshi. Parce qu'il s'est réveillé. Le deuxième mandat, côté ministère de la Justice et garde de Sceaux, le choix est Constant Mutamba, c'est un choix judiciaire. Un choix très noble. Parce qu'il est en train de nous faire voir des choses qu'on ne voyait pas. Et puis, bah, désengorger prison, bah, respirer. Bah, tu vas kanga bango pour abeter mon tout gifle. Ah, on peut s'abîmer dans barabas, bah, kanga y a quoi c'est la macala. Bah, Kamoro, Bénin, les faits Bénin. Voilà. Vous comprenez? Ok. Donc, bah, magistrat, Nabisso, bah, y a quoi la moussala, il faut recyclage. C'est ça. C'est pas normal. Alors, les gens souffrent là-bas, et merci à président de la République, merci à Constant Mutamba. Na musala makasi pe malamu musala oyo. Okay. A bimisa bato bele bazako na ba conflit inutile, bato bazo souffrir. Obi ba pandi na bango. Otali ba kor na. En tout cas na moni parce que ba leke biso juste ra wana pe menize la radio donc prison centrale makana. Na lobi na yo otali ba pandi ba prisonnier est-ce que ba liaka. Musu ba kata mate mbe na machete. Na bien na ba pays a organisé, faut ba kanga ba gestionnaire ba prison na. OK. Mais prisonnier za muto za na droit à vie. Pourquoi nous avons pas de combien au l'état lourd dans la prison? C'est ça. Un centre de santé moderne est athée. Une ambulance pour évacuer les malades est athée.
soins médicaux ou tel local monté poli n'attend on a rigolé à te limbisangan de onanga exactement mais bisou maramba Congo yo sous bas mes maquets na Congo local déjà ça copola moyen y a tes actes moi je vu j'ai des images dans mon téléphone disons seulement merci et gloire à Dieu parce que bah moni bango bah libérer bango bah refaire ma vie na bango mais il y a encore un souci Jérémy Lemba libérer ces gens comme ça na baka ya maladie il faut déjà savoir que bah misusu ndeti papa mo wasala 25 ans de prison à Bimi azada na komi na ngiringire ma otu na ngiringire za wapi ukoi ko imagine mutu mususu il faut avoir na masina ma ayebite nzela okendele et peut-être na batu mususu bisika ozala peut-être dans son abri et libérer les gens na ba état malade au monité que procédure faire za la routine na bonon na ba centre de santé parce que ko libérer bango oui mais après on va encore enregistrer de morts et de morts. Et bien, les bazana n'ont pas été soins de santé. Alors, le risque, c'est qu'il y a beaucoup de bélé. Donc, l'État fallait encadrer Bango, Tindi Bango dans un centre approprié, Batala Bama Kolona Bango, Batala Bama Kouisna Bango. Donc, c'est catastrophique. Ça fait mal, c'est choquant. La vie humaine est sacrée. Ils ont même mentionné dans la Constitution en Mboka Nabisso. Mais le traitement inhumain de Sibir en Mboka Oyo, ça doit cesser. Ça doit vraiment cesser et j'encourage et puis je félicite encore une fois le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, pour ce très grand travail. Tala Moutou Mba Bouma. C'est ça. Tala Moutou Mba empoisonné. Le point sur la mauvaise pratique. Topé Ndenge Yamabe Yarosal et là-bas magistrat, on a connu deux choses. Tala Moutou Mba éliminé les Sceaux, Constant Moutamba. Oh, tu sais, il a sauvé combien des âmes là. J'ai vu des mamans pleurer, des jeunes. Et tout ça, ça dérange aussi. Exactement. Tout ça, bah, Congolais, tout le monde, Mboka na biso. Mais nous sommes en train de vivre des situations très compliquées. Voilà. Donc, Nzamba sunga Mboka. Et Constant Moutamba doit continuer avec cette allure. Voilà. Akina Bangenga, Kende partout. Bakanga batoa abusivement. Bakanga Moutoumsouna, moi, si na, parce aussi, maman, si na, et Mbata, les prisons. Donc, tout ça, il faut tout. Au fait. Merci, maman. Merci beaucoup Jérémy Lemba et c'est vraiment choquant nous qui sommes ici à Kinshasa au Toto vivre au Makambawana la mise au bateau et ça fait quand même très mal parce que nous on a vécu de situations moni mutu ba libéré ba pécé papiété il a commencé à demander de l'argent justement pour chercher les transports en tout cas c'est vraiment compliqué. Mais il faut appeler leur famille non? Il faut appeler leur famille. Ah mais souba oyé ba sou famille. Musuba utane musupe na village na province c'est un peu compliqué. Il faut leur chercher aussi un endroit où pour que bah, s'y relancer. Donc toutefois, il y a beaucoup à faire. À part permettre aux libérer Bango, il faut les encadrer aussi. Exactement. Service national de Gécoma Lango, les mettre dans les services nationaux, ça sera une bonne chose. Je crois que c'est très bien. Voilà, merci beaucoup Jérémy Lemba. On va maintenant parler musique en Mboka na Biso. Nous avons tous attendu et vu. Déjà, concert Wana a hérité Watanabe parce que tu m'as dit que Zéla Yango, tu m'as dit que les cas, l'évolution, on en a parlé. Et puis, concert Zaki tenu les samedis. Tout le monde a une image, bien que tu as sur place, avec le système numérique digitalisation. Nous avons la facilité de suivre tous en direct quelque chose qui se passe partout à travers le monde. Alors, Jérémy Lemba, concert hérité Watanabe, quelles sont tes impressions par rapport au déroulement de Yango? Naébite, qu'est-ce que tu vas dire? Bon, d'abord, tant que jeune Congolais, homme des médias, je tiens à féliciter Héritier Watanabe hein, pour son tout premier concert sur le sol français ou européen. Il a fait plus ou moins 6000 personnes. Pour lui, quand même, pour un début, c'est à féliciter. J'ai vu pas mal de personnes, Amoni Binafila Yembi, DJ Momboshi. Il y avait aussi la présence, il y a Weronson, le grand formateur. Et l'ambiance aussi était au rendez-vous. Quand même, Parisien, Banapoto, s'est mobilisé qui pour que côté concert, bien qu'on n'a pas eu encore les informations sur un sold out. Comme vous comprenez, parce que la salle contient plus ou moins 6800 personnes. Exactement. Mais sur la salle, vu intérieur, batubai na bango à l'aise, batubai respiré na bango. Cela veut dire que ça les tondi, mais il n'y a pas eu de débordement. Donc dans l'ensemble, Héritier Watanabe Goga, félicitations. Toutefois, na monnaie concert on zayi na go bien, mais ils ont gagné des mois pression. Comment ça? Moni ekasine zaga non, yembeli hein.
Et tant on dit que mon bouchard équipe dans mon œil moins ambiance, mais bien affilé on dirait qu'il est au pointé. Ok. Et bien affilé on dirait qu'il est au point. C'est comme s'il avait un problème de voix. Ok. Mais what a, il a tout fait pour les mettre à l'aise. Ok. À aider, bah ça les moi duo, moi featuring et ça les peut propre. Donc c'est comme ça. Il faut donner la chance à tout le monde. Ok. What a petit premier concert naïe. C'est très bien pour lui. Ok. Mais il doit encore être humble. Okay. Il faut aviser les sous-sous d'autres choses. Mais apparemment, à la fin, un concert a annoncé pour 2025 Olympia de Paris aussi. Okay. Bon, soit qu'on bête Olympia de Paris. Le mai prochain, il annonce aussi les stades de martyrs. Hein. Bon, il veut encore refaire les stades de martyrs. Wata, Richard Watanabe, je crois qu'il a tout son temps. Okay. Il a tout son temps de se préparer en conséquence. De nous donner encore des chansons, des tubes, des très belles rumba, et puis de se faire populaire encore une fois. Parce que Congo, ça va trop. Exactement. Ceux qui moi 50 batoubabi, que non, yoza leader, yoza danger, tu penses que tu es déjà au sommet. Et, or que ce n'est pas le cas. Okay. Donc, héritier Watanabe, je pense qu'il n'a pas besoin d'inviter sur le stade de martyr. Okay. Parce qu'il fallait mettre un stade de martyr après, je crois, 16 ans de carrière. Ferrego, là, je crois, 17 ou 16 ans de carrière. Donc, ils ont eu le temps de se concentrer, de faire plusieurs chansons, tubes. Et puis, comme il y a Tamro Boye, autant que Tiemoutou est accroché. Donc, souvent, on dit qu'il y a Ferre et Fali, il y a Maestro Fabregas. Tantôt, non, il y a une perte de vitesse, c'est héritier. Voilà. Même héritier en question, on n'a pas encore confirmé la troisième place. Okay. Parce qu'il bouge en haut. Okay. Si Maestro se concentre, au moins, il a une place en haut. Pour, en termes, il y a longévité à carrière, c'est Maestro Fabregas. Exactement. En termes, il y a plusieurs titres, plusieurs chansons, tubes, c'est Maestro. Maestro Fabo. Mais il y a Sili. Bon, ils ont une saison. Okay. Tu ne peux pas régner dans toutes les saisons. Okay. Ils ont un bon goût. Voilà. Donc, héritier, le lot Sukoyo, il y a vacuum, moi. Okay. Tu vois, Azopela, comme on dit, Azopela, à travers ses sorties médiatiques, ma polémique autour de lui, et puis ma poto, ma visa, et ça lui que a dominé l'actualité. Maestro Robert, c'est un poto, mais moni, il a eu sans impact parce que l'ossature de base était restée à Kinshasa. Exactement. Les solos visé bloqué qui est. Voilà. Donc, tu vois, je ne sais pas si tu as un sentiment. Mais, Wata, à ça lui concerne bien, tu as ses chances. Je vais juste lui dire que. Il doit encore garder son esprit à Zané humble parce qu'il y a encore des défis à relever. Voilà. Il y a encore des défis à relever. Jérémy Lemba, Toti Kalaka, dans le concert à Ouata. Vous avez parlé de 6000 et quelques places parce que ça, on a coté la configuration en haut et Bandarana 2000 qui donne à 6800 places. Tant que Obi Kéhiriti Ouattana a beaucoup plus de 6000, alors ça me retient et en pose aux questions que. Azwa qui configuration à combien? Parce que ton moni barido, ma filmé les biso barido et katami partout. Dans ça, et comme le roi en forme un triangle, au lieu de garder forme normale, ça le comme le roi est triangle. Ben, le lobby qui est 6000 personnes. Bon, je ne dis pas 6000, moi je ne travaille pas dans ça, Loana. Mais Ali, le croquis, Oyo, ton moni qui, le staff Yawata, présentant qui est en média. Donc, c'était ça la configuration, 6800 personnes. Mais je l'ai bien dit que nulle part on nous a confirmé un sold out. Okay. Voilà. Vous comprenez? Mais tout bazar, d'abord, à masse, on peut estimer 6000 personnes. Okay. Plus ou moins 6000 personnes. Voilà. Pour un début en Europe, c'est bien, c'est à féliciter. Baptiste est belé, on a à Zénith, on a 2500 places, Olympia de Paris, et après, on a Chalon Bercy, et ainsi de suite. Mais il y a 6000. C'est bien. Voilà. Et puis, Abeti concerne bien, Amélie Maïté, Nengé Mouazouban, Amélie Maïté, ça va. Alors, parlons de l'Italie prestation, parce que beaucoup de gens aussi critiquent l'orchestration. Oui, Koura la Wata, ils ont vraiment assisté. Mais ils sont là, Barido, le bio, on a peine à mon nom, j'ai vu des rideaux. Barido, on suko yo. Et ça joue quel rôle? C'est pour réduire. Pour réduire le nombre, il y a ma place, au fait. Mais parce que ça, les arts en configuration, il y a 6000. Par exemple, prenons les cas, il y a eu Arena. Mais quand on dit 6800, c'est pratiquement 7000 personnes. Exactement. Parce que Moudoutan, on a loué salle, on a loué la configuration, il y a 5000 par exemple, 4000.
Donc, pour vous dire qu'il y a 4000 places, il faut battre ça par rideau. C'est ce qu'on a vu aussi avec Fally Poupa à Bordeaux, à Lyon, battre ça par rideau. Et puis, Ouattara également, tu es au rideau. Ce qui veut dire que, soit à Zouakin a configuration, il y a 6000, soit à Zouakin a 6000, mais tant à Monique, billet que Yombe a 4 places, parce que tout le monde qui, même le dernier jour, billet qui t'a qui, soldat qui billet à 41 euros. Bon, ce sont des réalités en musique. Hein? Et déjà, Watt, avant concert, tu le sais très bien, il était en conflit avec les Gaulois et les Warriors. Beaucoup de Gaulois, à Osumba Billet, tant que Watt a déjà clashé contre Ferré, à se retirer. Même des Warriors aussi. Donc, du moins, tu es encouragé. Parce que, en fait, à risquer un peu fiasco. Parce que, bana Wenge, baza un peu éparpillé. Moussouba na Ferré, Moussouba na Fali. Malgré la présence à Ouira sur un concert à Ouattara, mais à ça, il débordement. Donc, cela prouve que la guerre avant l'événement a influencé quand même une bonne partie des personnes qui pouvaient aussi accéder à la salle pour suivre sa musique. Parce qu'avant, bien avant tout ça, Ouattara était très bon, très calme, très serein. Mais sortir de la technique, il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup de polémique. Donc je pense qu'il y a influencé qui peut être fanatique. Alors par rapport à Yoyembe, Héritier Watanabe, parce que selon ce que moi j'ai constaté, il avait beaucoup crié et après, vous avez commis le roi moi au Kauka. Avant d'être au Kokasu, ça a vraiment le meilleur en Haïti, na scène, je ne sais pas. Est-ce que vous avez la musique a un même featuring plutôt concert. Bon, je t'ai dit que les concerts n'étaient pas très chauds. Un concert moyen. C'est une première aussi. C'est un concert vraiment moyen. Quand même, les plaisirs d'Aïkar, Sangana, Babeta. C'est un retrouvaille. Donc, je crois que featuring Naina Ouira, ce qui a plus marqué Zali, les gestes que Ouira fait. Il y a un peu sa mouinda. Nenga Pessie, ampoule économique, lampe économique. Voilà. Et ça, symbole, il y a lumière. Bon, ce qui est vrai, on donne la lumière là où il y a l'obscurité. Place à Moulili, je peux apporter une lumière. Vous comprenez? Mais ici, il y a déjà lumière, Zali. Est-ce qu'il y a sous la lumière? Prenons un exemple. Une maison déjà éclairée. Il y a l'ampoule, il y a la lumière. Est-ce que aux assous bougeot pelle ici? Même pas. Vous présentez? C'est-à-dire? Donc où est la si ou ta lumière? Peut-être Aza Mokolo. Où est Aza spirituel? Aza grand musicien. Parfois mon imo Lili la carrière y a Ouattara. Il peut aussi voir l'obscurité. Troisième A, il pèse à la musique. Alors, pour nous sauver, moi, naïe, après tant de conflits, après Babongi, ça n'a pas c'est vrai, mais c'était l'occasion de mon apprécier lumière. Donc, cela prouve que Héritier en avait besoin. Alors, si Héritier avait besoin de la lumière, c'est que Ferrego avait besoin de l'obscurité, parce que Ezali, donné la lumière. Na héritier Watanabe, tandis que Kofi Olomide a belé la obscurité na concert à faire. Te Kofi a pesa faire l'autre. A belé la qui. Te ils a crié naé. C'est un cri au Embarangon déjà depuis quand. Voilà. Ce qui Kofi a ça là qui geste symbolique. Qu'elle faire soit une kodia, auto casquette ou bien micro en or ou comment. Là où on pouvait analyser. Dans le sens où on a. Mais Kofi a crié dans ça là. Boutezo inda gazimolili, aïe marango déjà. Tant que je suis comme un concert, à ça qui moi capella, n'engue ça n'a rien à voir. Donc, et pas Ferré, tu vas remarquer que Ferré a la lumière là, déjà. Ferré a déjà la lumière là, déjà. Je suis comme un baxelé sous lumière. Bon, on peut sa lumière ici quand on lit les a. Donc, on y vient tout dans la salle. Mais tu verras ce qui vous fera inviter, où est-ce qu'on a eu arène. Où est-ce qu'on a appris à faire les lumières. À quoi peut-ce que ça t'a montré. Où est-ce qu'on a la R, où est-ce qu'on a concentré, ils attendent à yo, ils ont saison à yo, le temps. Vous comprenez? Mais où est-ce qu'on peut faire les lumières. Parce que faire ça déjà la lumière. Actuellement, c'est un artiste. Le plus sollicité, le plus fort, le plus populaire,
Vous comprenez? En termes, il y a ma chanson, en termes, il y a voix. Feraza, unique à son genre. Okay. Vous comprenez? Voilà. Donc, à garder Capoana. Donc, ce que vous avez fait, c'est un cadeau. Vous allez vous montrer. Okay. Ils attendent, il faut profiter. Okay. Voilà. Donc, voilà, tu vas passer les lumières. Peut-être après cela, ça peut encore une fois booster Maram Soussou. Voilà, merci beaucoup Jérémy Lemba. Je ne veux pas qu'on commente vraiment trop là-dessus parce qu'il y avait aussi l'histoire d'Entaba ou Watalierata Koufaka Yemoko. Et aujourd'hui, on apporte la lumière, on ne sait pas. L'obito Tokino Wapi. Mais après le concert, tout le monde est quand même à interviewer Salamaki. On a même vu aussi la présence de Wata lui-même qui était en train de faire de bise na Bakarine Mokondi et tout et tout. Et cette attitude de Wata, beaucoup l'ont critiqué. On a dit qu'il n'a pas un esprit de leader parce que Fally, quand il avait fini son concert, même bah concert n'a pas été niveau poto tout mon arka kabimi na kata salle. Après on n'a pas vu Fally à qui ne retrouva inaé Ferigo la même mot il a dit na bande konaé to sili si awa concert et sili au revoir au revoir. On n'a pas vu Ferigo là, il est allé retrouver bato il fallait retrouver mais Wata a tringalé juste aux alentours il y a salle en train koyamba bato couper sa bato babise on dirait le kwango abandé qu'on s'attendre te les kabongo tout ça juste era parce qu'il a manqué vraiment esprit et leadership. Bon, je pense que ça va délire naé. Ngalisu libumu ezalakate, otikala lingundu libumu munene. Talaji o ya décrassement, soko meliango libumu pla net kuto botate. E bongo kote ba papa. Boye ba ke pona ba kolongondo bwa kundu bwa nzoto bwa yo. Yeba ke bazali na kisi ya force. Heye! Mukolo nzoto, yangonde kisi ya solo solo, mukolo nzoto aye. Yangonde zali kosunga nzoto ya bapapa, pote libale zala elengi pe supu na nivou ya defuate. Ezali kotrete maladi lokola, impuissance sexuelle, ejaculation précoce, hémorroïde. Oza mobimba awa na mukolo nzoto, ezongisi nzoto na yo, mobimba na force ya defuate. Okanisi mama Mika suki wana, ten. Che mama Mika, azo traiter les sous-sous, stérilité, diabète, nerf sciatique, tension, myome, chauffement matrice, débouchement trompe, na hernie, mais y'a ba sorte nango nyonso. Po na bandeko oyo, bazali na ba santé déséquilibré. Onga na bela ka beri beri, mwana na nganzo tezali pe na pete pete alembara pamba pamba, yeba ke awe ezali na ba boui, 100% bio. Ton nganzo to na niveau ya nyama, pote nzo to na yo. Eza la pena kolongone ya solo. Soko meli poto poto oyo. Okoza la mubimba. Pe sante. Elengi. Neti kaka na lola. Kote cosmétique ebiso e. Mama Mika. Reparatrice ya lo poso. Po. Nivoza ko traite banzoto ya basi pe mibali. Palado madame, palado messieurs. Bazalina ba produit lokola. Huile d'anana. Savon anti nduta. Anti tampon. Anti tache. Yangonde mubimba. Bazali pe lisusu. Na crème de beauté. Temetis. Ozongi pembe chéron et puis lisi ya nyama. Gommage, bazali ko salango kitoko joli. Pomade ya suki, plus huile. Pomade vimbovi, pona ba papa. Oyo bazalaka Dimitri kuna na bayendisa. Bango bako bonga kitoko po. Azonga penda mubimba, loko la mubali ya solo. Bazali pe na crème réparatrice, anti-vergeture. Pona basi nyonso, bazali na ba problème na banzoto. Eko sunga bango makasi. Kasi tuna ngai nini, ba kisyo nyonso ezali ko traite batu, ezali sans hydroquinone. Ah kutu, atayamu kele kete ya hydroquinone, ezate pe ezala kate. Soki olingo benga, Maison Mika cosmétique et business bio, okogi ko zwa bango na veni, pozo numéro A17, quartier Matonge, na komi na kalamu, référence, kabini ya courant. Topo koko benga bango na numéro ya telephone oyo, plus 243, 89, 98 27 674. Tala, Bako Sabinote, Maison Mika cosmétique et business bio. Awa, 100% bio, pe sans hydroquinone, naba produit na bango nyonso. C'est naturel. Ils ont ma propre délire naïe. Faire des bisous, parler avec des gens, ils ont after concert. Okay. Est-ce qu'il y avait un truc prévu après le concert? Oui. Et salami? Exactement, salamaki. Alors, ils ont programmé, donc parfois, c'est vrai. Wata a échoué dans le stade des martyrs, qu'on se les dise. Concert, il y a Potopé, il y avait eu beaucoup de jaloux. Donc, soit à Monique et réussir déjà à 80%, il peut quand même être en être fier. Non, mon niveau d'agitation, mon émotion, il est en paix, en mouvement avec tout le monde. Mais en soi,
Il s'est débrouillé. Voilà. Il s'est débrouillé quand même. Voilà. Selon les statistiques de Jean et de toutes les personnes qui essayent d'analyser, même Naruta, y compris Fiston Saïsaï. Fiston Saïsaï a dit que Ouattara est le seul artiste et musicien à Ouengé. Ouah, nous, ça, la fierté à Ouengé Lelo. Et il est placé à la deuxième position, Lelo Oyo, après Fali, c'est Ouattara. Je ne vais pas entrer dans ça, mais Ezali, une contre-vérité. Ok. Parce que Héritier, on l'aime bien. Tu vois, c'est très difficile pour un wingman, soit un Gaulois, de venir insulter Héritier Watanabe. Exactement. C'est toujours compliqué. Parce que c'est un fils maison. Il chante bien. Il est jeune. Il a un orchestre. Il a une vision musicale. Voilà. Mais Kopé Sawa, Héritier charge leader à Wingé, alors que Ferré est encore là. Ce sont des mensonges. Ok. Tu connais bien Fiston Saïsaï, tu connais bien Denis Lessi. Ce sont des warriors. Donc, bah, on peut se canaliser au Eza contre Ferré. Parce qu'ils savent que le poids lourd de tous, c'est Ferré Gola. Les gens oublient. Ferré a fait plus de 170 000 personnes à Stade des Martyrs de la Pentecôte. Un devoir, un défi. Il a joué pendant la journée. Voilà. C'est Ferré Gola. Ferré a battu double concert historique à Paris, Adidas Arena. Une première, il est venu, première date, sold out. Après, c'est deuxième date, sold out. Il a joué. Ferré a fait la Suisse, un pays réservé, un pays très difficile. Voilà. A battu un concert à Genève Arena. Plein. Ferré annonce maintenant. Paris La Défense, U Arena. 40 000 personnes, la plus grande salle d'Europe. Aumônier Chelon. Et il est aussi sollicité partout. Loin des Zélaïe, Coca-Cola arrive dans la Dubaï. Allemagne, Angleterre, Belgique, Hollande. Toute la tour européenne. C'est pour bientôt. Donc Ferré Azali, actuellement, l'un des poids lourds de la musique africaine. L'incontestable. Il est très stable. D'abord, sur le plan, il y a Vinaye. Et puis, musicalement, fait rigoler stable. Parce que depuis qu'il a commencé à un orchestre, il a formé des jeunes. Il a encadré des jeunes. Bamsou Balongwe, Basali Bavina Bango, Bakiba Kofi, Bawera, Moussou Basala Bamba Lider. Et puis, il continue à recruter. La preuve, Nabukavu, Azu Petit Abiswana. Voilà. Comment il s'appelle encore? En tout cas, son nom échappe. Hein. Notre fille là, la petite là qui fait la recrutée récemment à Estéwana. Bah, j'ai eu un concert, a ramené à Kinshasa avec ses parents. Et Ferré maintenant commence à la transformer. Dans la belle naïe, comme il a fait avec les Rebo. Donc, Ferré maintenant commence à la transformer. Physiquement et puis sur le plan musical. Parce que cette fille là a du talent. Elle a un art dans son son. Maintenant, il faut ce qu'on un véritable coaching, bas manager, c'est une star de demain. Voilà. C'est une super star de demain. Okay. Et c'est comme ça que les choses doivent se faire. Les gens qui disent que Ouata a la deuxième position musique à Congo. C'est comme ça que Toto détruit ma carrière de musicien. C'est ça. Et lui aussi va écouter cela, il dit qu'il y a comme une deuxième na coquille. Non. Il y a encore des preuves, il y a encore des choses à faire. Zomona. Héritier, on l'aime beaucoup. Il chante bien. Azana Indusa. Aébi idéologie. Voilà. Azape guerrier. A têtu. Mwana Wingé. Il ne lâche pas. Il ne lâche jamais. Voilà. Mais, tu reconnaître Lelo quand même que Bamikolo, na âge, na musique, Bazali. Le plus populaire, Bazali. Hein? Voilà. Bazali. Donc, c'était un peu ça. Voilà. Merci beaucoup, Jérémy Lumba. Parlons de You Arena. Fait rigoler, c'est pour l'année prochaine. Plus Tosa Roland, toujours Lamouka. Plus Mikoleza Kokiende. Et Naba Mikole Outikoleka, Naba semaine dernière. Fait rigoler, figuré Naba deuxième position. Msou a commis la première position. Msou quatrième. Mais aujourd'hui, là, il est la dixième position. Donc, c'est-à-dire que quelque chose a essayé un peu de se faire. Fait rigoler, Kiti. Alors, même Asake, qui s'est figuré aussi à la première position, il a été remplacé par parce qu'il y a de nouvelles dates, de nouveaux événements, tout ça, et ça bouge.
les lignes bougent. Okay. Donc, ce qui est plus important, on me fait savoir que déjà, faire égal à bah, Meloman, bah, sont plus de 35 cas babillés. Un bon? Oui, on dirait okay. Bah, on dirait bah, bah, 35 cas déjà. Ok. C'est-à-dire bah, 35 000 billets déjà. Voilà. Ils ont discuté, ils ont déjà acheté, c'est bien. Et alors, pour aider l'artiste, les mélomanes de la bonne musique, la communauté, ne soyez pas distrait. Ne rêvez pas. Voilà. Ma débat, ma polémique, procurez-vous des billets chaque jour. Exactement. Mais félicitations quand même à tous les Gaulois et mélomanes de la bonne musique parce que vous êtes forts. Dans l'espace à un mois, pour marquer l'histoire. On n'a même pas encore atteint 3 semaines. Hein. Voilà. Donc, dans peu de temps, voilà. Les gens ont quand même acheté beaucoup de billets. C'est historique voilà. Et c'est bien. Aller jusqu'au bout, faire rigoler à rafler soldat tournant. Okay. Et si on peut faire double date, là, ça sera, je dirais même, la fin de toute chose. Ouais. Alors, après live streaming, faire rigoler à Elabisso même, bah, émission, il y a streaming, hein? Quelqu'un doit regarder l'émission de Férigo là, mais il doit quand même payer de l'argent. L'émission payante. Voilà, Férigo là nous amène encore medley, c'est-à-dire qu'il veut faire la compilation. Il y a Banzé Monaye et puis Amekako Balancelé, on annonce ça pour bientôt déjà. Quelque chose qui ne s'est fait presque pas, la musique il y a beaucoup en Abisso, mais Férigo là veut quand même le faire. Cet esprit à innovation, Jérémy Lumba, je ne sais pas comment vous le trouvez. Mais l'artiste, il est international. Okay. Il est entouré des grands. Okay. Des partenaires, des producteurs, des managers, Bato Bazana, n'a coup d'œil sur la musique, les gens qui maîtrisent les show business. Donc je pense que il fait des choses qui sont bien, qui sont professionnelles, qui sont à féliciter. C'est très bien. Okay. Nous attendons ces clips. Clip le roi à double taux. Bato Bazana Zelango. Éliminé par exemple. Tu vois, voilà. Ce sont des chansons qui nous ont beaucoup plus marqués. Exactement. Seconde chance. Hein? On a la mélancolie qui est dans la chanson. Hein? Voilà. La mélodie offerte à imposer. Hein? Donc, ils ont mérité. Bah, clip moro, il y a propre, il y a soin, et on va toujours le consommer. Alors, Jérémy Lumba, Zarabien, collaboration, il y a un musicien à Bissot, c'est ce que Olobarango peut maintes fois, parce que ce total, il y a un musicien, il y a un Nigeria, total, il y a Côte d'Ivoire, ils se soutiennent, quand quelqu'un a son activité, bah, se soutient. Aujourd'hui, on est en train de constater une étroite collaboration entre Férigola et Maître Gims. Hier, on a vu Férigola poster une photo dans la page Naye avec la chanson. Il y a Gims qui met le roi en fond sonore. Alors, si aujourd'hui Férigo doit coopérer ou collaborer avec Gims, la collaboration est à la Lengenine. Est-ce qu'il faut être dans la collaboration ou il faut apporter la polémique ou il faut être dans la Lengenine en fait? Alors, merci pour la question. Gims, c'est un fils du pays. Hein? C'est leur jeune frère. Voilà. Bah, Férigo déjà avec Gims. Bazala. Okay. Donc, Bazali na sphère morotée. Voilà. Sol européen, Abisso Afrique, ils ont la réalité belée. Alors, Maître Gims nous prouve seulement qu'il admire le travail de Férigola. Il apprécie bien. T'as là bien Maître Gims quand il est devant Férigola. Il a beaucoup d'estime. Tu comprends? Il a beaucoup d'estime, il est beaucoup plus réservé. Et il dit des mots significatifs. Ouais. Et il aime beaucoup Férigola parce que. Il y a Alinga Perumba, Maître Gims, Alinga Rumba, voilà. Alinga Seben, Alinga Mélodie. Je crois que à chaque fois Férigo la poste quelque chose, il les prend à qui a reposté Ango, c'est l'amour. Voilà. Ils sont en distance, mais c'est l'amour, c'est la considération. Okay. C'est ça derrière le respect. Okay. Sans polémique, ni quoi que ce soit. Mais il est en train de soutenir ces grands concerts de Férigo là. Raison pour laquelle moi je souhaite même que Féré puisse l'inviter à U-Arena. Abengsa Gims. Et puis une autre légende, Yamboka Nabissonite Ouera ou autre, voilà, et Ozala bien. Voilà. Parce qu'ils ont la fête à musique. Je vous dis que Bamise va mettre en U-Arena, la capacité. Moi, le refaire à ça dans le stade de Martin Dar, ça dans U-Arena.
Donc il viendra na pomu susu. Il va se déchaîner bato barobina vraiment musique ninge binama. OK. Donc si maître Gim sera présent le 26 avril na Paris la Défense U Arena. Moi je serai très content. Et ça occasion de la scène. Peuvent le partager donc voilà. Merci beaucoup Jérémy Lumba, petit à petit au rechité mais au rocabonaté sont que aussi ma point oyo il y a sorti médiatique où ça lit pas mal de polémiques, pas mal de réactions, il y a directeur marketing, il y a F victime tant au F victime tout bon déjà l'artiste est fallu pour pas, il y a son directeur de marketing ou abimi pour le loba na batou nyonso baloba na combo artiste est fallu pour pas, ceux qui bazana ba problème na ba personnel na ba artiste en tout cas ba impliqué combo ya artiste est fallité moto a ko oser qu'autant à combo ya fallu na ba insulte, en tout cas il sera poursuivi na niveau ya justice. Jérémy Lumba, la sortie médiatique de Diba Diata, na moment où toza, est-ce que vraiment ils allaient considérer na bino batu ba po pantara sa ope bino ba analyste? Voilà, merci pour cette très bonne question nommé Yaba. Sortie médiatique ya directeur Diba Diata, une sortie médiatique ratée. Hein? C'est une sortie médiatique ratée. Nandeni. Parce que ce n'est pas une première. OK. Rappelez-vous tant où l'artiste est fallu pour qu'il n'a pas connu à Paris. Après ma clash à Jaël, Maniqué, tout ça, le même directeur a eu la décision de chasser même Grâce Témo. Exactement. Alors, Kata Grâce, Kata. Déjà, on connaît les chiens à bois, la caravane passe. Ok. Donc, Malobana, il dit on a pouvoir. Ok. Et puis, à ça, il y a eu le pouvoir apparaître. Au lieu où tu as ça, il écrit, il y a l'équipe qui lobby. Donc, tout ce qui est hypocrisie, c'est déjà trop tard. Ok. Batu bazana fali bazoko sa fali mingi. Ah. Le loso fali carrière est chité. Tu es condamné bino hein. Nous allons vous condamner. Parce que et là on fallait jouer qui na musique. Qu'on se le dise. OK. Azana mama kamune mugo bo ekutu ya likolo likolo. Mais banda fala pe sa chance na ba directeur wana na ba proche na yi. Ba associé batu. Tana ni carrière fali zokende. Tu viens dire que Oyo, à Olobela Aigle, ton président Fali, avec au finger Moutou, tu reviens dans la répétition et puis tu repoursuis dans la justice, papa. Vous avez déjà créé toute une armée sur l'internet. Terrestre. Armée céleste. Armée de l'air. Yama finger. Vous créez base déjà et j'ai ma racine. Batou ba fandi wana. Mais mets l'angope batou poto. Bozo fouta bango, récompense dans Mikili. Passeport, visa. Ah, papa, tu viens dire aujourd'hui que Moutaro Finga, na combat fali, il sera poursuivi. Mais il se dit, Badiata, c'est trop tard. Okay. C'est tard même. Parce que, bah, comprendre que son Aofing, il a fallu battre dans un visa. Na mon nom, Mikolo, papa Mikolo, bah, moi, il n'a pas fallu prendre un visa. Donc, na, je te pose un visa, bien, Finga a fait. C'est ça. Soro Simbi Ferre, na kilote. On n'y a pas visa. Ok. Ce que l'on sait, c'est un trouble. Moi, j'ai compris une chose. C'est quoi la chose? Quand les chroniqueurs proches de F victime, pour ne pas dire qu'il a fallu, ceux qui ont attaqué Kofi Mingi, ils ont l'aise. Ok. Fallait les gâter. En fait, Batika a attaqué. Mais ceux qui ont touché vie, dans ma sensibilité. Au moins, il faut dire les cas. Oh, au fin de la sous, tu es au tu es au limogé. Oh, bah, anti-valeur, à comme la bonne lettre. Donc, ce qui va comme un banga, bazabatou. Ok. Attends, bazabat est reconnaissant vis-à-vis de Kofi. Ok. Mais, au moins, la conscience, on ne peut jamais les trahir. C'est ça. So, tout le monde a fin de Kofi, Mikolo, fin Kofi. Ba mon nenge via à Tomboki. Donc ba on bazara makasi so ba fingi Kofi, ba sali je kizengi. OK. Mais so ba on finga ferre, on mona lo bata. OK. Anga lo banete. Anatika ba finga e tongoti lobi. OK. Parce que tout le monde a même yé moko a préféré go la kobeta suci ya la biso awa ke fallait beta rapé hein. Na niveau ya jeune ya. Na lobino kabi ba bien na grâce témo na na collège wana ya ba communicatrice ya F victime. Ba lobo pe na kata grâce. C'est une humiliation. Exactement. Pour une journaliste. C'est dénigrant. Voilà. Donc
ce n'est pas du tout propre. Okay. Bah, ça, là, on a la page officielle et tout. Et la fille continue à travailler aujourd'hui pour eux. Voilà. Bonjour, mon ami. Oui, hein. Bah, bah, ok. Donc, ils ont bien été. Quand ils ont mis la télévision, bongo. C'est clair. Il faut qu'on essaie un peu de changer la philosophie de travail. Ok. Pour bande qu'on a vu son mingi au bazar là-bas, il dit bah d'être là-bas fini peut m'amener c'est belé. Tout le bas rapide vérité. Ok. Bah fini peut trop. Ok. Bah je l'ai bah visa, bah qui bah poto, tout ça. Mais il y a un temps pour tout, il y a un temps pour toute chose. Ok. Un bonjour. Attends ministre là où est justice où. Il va se réveiller quand il va se réveiller contre bah magistrat. Ok. Bah comme au kanga bah koni ma finga on a tout. Les jours viendra. Le jour viendra où les émissions iront à la normalité. Ok. On déconne, on a la TikTokeuse, TikToker, soi-disant influenceur. On va arrêter les gens ici en cascade. Ok. Parce que si je vois quelqu'un pour attambolit babio promenade inutile, bah tiens la prison makala. Bon, on a tout fini la TV. C'est ça. C'est une infraction. Ils ont mérité peine. Exactement. D'où faut pas qu'il ait la prison. Il y a au moins vous à la prison, vous mérité. Exactement. Parce qu'il avait insulté une autorité, une personnalité. La raison pour laquelle, bah, c'est saisir Naïe Batsi en prison. Okay. On a même magistrat où se défendre calmement. Exactement. Vous comprenez? Voilà. Donc, Marambo et Zolo, on a qui est au Kangabak, au Conifer, ils ont encore une intimidation caca. Il n'y a rien, maman. Mais il était enragé, Jérémy. Sauf à l'expression faciale. C'est parce que le vieux quadre est lésé. Ok. Kofi, le ministre lésé, n'est-ce pas? Je suis comme moi, si vous le cas, je suis comme papa, mon collègue Kofi. Vous qui insultez les gens comme des Kofi, est-ce que vous avez vu que vous avez cassé le bouton? Oh! Vous avez vu Kofi. Vous avez vu Kofi, vous avez vu Lilith. Il y a ça, mais oui! Faut respecter la batouana. Ok. Ce sont des artistes. Un artiste bazar spirituel. Ok. Tu n'es pas connu aux gens de la famille bien té l'autre côté pour les grananets que fin à Kofi. Et puis tu veux faire face à lui. Quel risque, quel danger. Ça. Donc soit va bien maman toi batika. On va observer. Okay. Nous sommes lundi. Sorti samedi mon fin à la TV bravo. Mais les gens se posent des questions. Si aujourd'hui les Mafinga ils sont sous place dans côté la communication à Fally, quelle sera la communication de Fally au fait? Parce qu'on est on a comme l'impression que communication il y a Fally pour bien vendre Fally, il faut qu'à Kofinga. Alors ceux qui l'élo à ce Mafinga longue, de retenir et soutenir la communication. Non non, Fally a commencé avant leur existence. Ok. Fally quand il a commencé beaucoup d'étudiants, d'élèves. Et ils sont aujourd'hui bah chroniqueurs. Donc quand il a fait l'époux à droit chemin, Azana bah connaît ma fille à côté. Donc il est Fally, Azana a stratégie naïe. Il peut tout arranger. Hein. Okay. Mais ils ont bien été toujours là. Oh non, Johanna bah fille là, bah c'est là il a déjà passé pour on n'est pas au Kenya ambassade. C'est quoi? On encourage le mal. Après à un moment donné, on fait une sorte de médiatique. Okay. Oh non, ton Kangabino, ah dis. Merci beaucoup aussi, Sikaspe, ça va te faire un bout de tout à moi. Merci à Louis Zombala de Madrid, Keke Monama de Paris, encore une fois, les célèbres Dien Zundu na Washington, grand frère propre, les vieux Justin Panzou, le grand Mouyombe na Londres, clin d'œil spécial à Sema Mayasi, femme légitime, Agency Mayasi, Forza Italia. Je veux aussi remercier. Rodrigue Malong aux États-Unis, le conseiller papa Philippe Kabouikou à Fribourg depuis Suisse-Irlande, mon président Pedro Moutou, leader à jeunesse, association main dans la main depuis la ville Fontaine, mais aussi partout en France. Donc, de partout où vous nous regardez, nous sommes de cœur avec vous. Maître Siza Souka, ma puissance amie Kili, merci à mon vieux Le Moutoufou Mouzing et Jean-Claude, chef coutumier à Paris. En tout cas, abonnez-vous, commentez, partagez cette émission pour nous faire du bien. Alors, sur les ébinos, on profite pour s'excuser. Toutefois, on est là, on continue toujours à prodiguer des conseils, à analyser. Pour ça, là, toujours Kitoko. Merci, Nomi Yaba. Alors, merci beaucoup à Maman Lisa Loboko depuis les ISA, Motema ya Papa, Mémoire Boudimbu, Babi Motoaro Simba, cuisine congolaise, africaine, Nakata, États-Unis d'Amérique. Tosi City. Voilà, merci à Jérémy Yoka depuis les États-Unis d'Amérique, Jérémy Yoka, les potiers.
on est de cœur avec toi. Restaurant Best of Africa chez Mama Lisa Loboko. Il y a les boss, c'est Mémoire Boudimbo, donc Mbote Nabino. On est de cœur avec vous, de partout où vous nous captez. Bana Congo, Bana Africa, la communauté, sont dans les États-Unis. Kobo Sanate, restaurant Best of Africa. Chez Mama Lisa Loboko, donc Boza et Belé, Jérémy Yoka, la voix de Kinshasa depuis Chicago. Jérémy Yoka, les potiers. Merci à ton ami. Voilà, merci à tout le monde. Mmh.